Bonjour, 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 c'est Aegon. Bienvenue dans ce nouveau live Neverwinter. Oh, des cadeaux. Un promo. Quoi ça? 30 jours de VIP gratuit. Rien. Ah, venir. C'est quoi ça? 30 jours de VIP gratuit, pacte éternel. Papa. Voilà. 30 jours de VIP. Ça par contre bienvenue dans si je veux le attends des adorateurs dans un cimetière c'est la page d'accueil ah, c'est sa page d'accueil feuille objet 3 ah non ça c'est des trucs de déco c'est un skin ça. Non. Autour de feuilles. Bonjour VIP. Et ça là. Pack d'artefacts phylactères récupéré. Titre l'immortel. Ça c'est 30 jours VIP. Alors attends, on va foutre ça en bas. Pour l'instant, de toute façon, ça, je peux pas le porter. Une niche dont l'âme a été remplacée par un spectre brévillant. 2600 points de vie. 151, 150 d'âge de combat. En 6 secondes, par ennemi touché. Des adorateurs dans un cimetière. Cela ne me dit rien qui va. Utiliser inflige des adorateurs dans un cimetière. Cela ne me dit rien qui vaille. Par ennemi touché. Ah oui, quand même. Par ennemi touché. Ah oui, c'est ici. Ah oui, faut, par contre, faut que je. Utilise un fiche des dégâts. Proche. Je me souhaite. Oui, j'en ai un groupe. Et ça met combien de temps pour se recharger? Par contre, quand j'ai trois trucs, je gagne au-delà de la mort. Justement broché, impossible d'équiper. Ah, niveau 20, faut être. Oh, c'est 30 jours VIP. Ça, c'est un skin, ça. Ah, parce que c'est niveau 3. Couronne immortelle. Manteau de feuilles. Un ménestrel fait toujours ce devoir, peu importe ce qu'il en coûte.
là-bas. Manteau de feuilles. Ah non, il est là, ouais. Ah, c'est pas une apparence, c'est ça? Là, ça ne sert à rien. Pareil, comme la couronne. Non, non, je ne vais pas le convertir. On ne peut pas le mettre en convertir en skin. Ah oui, lol. D'accord. Ah si, on est obligé de garde-robe. Ah, j'aurais pas fait une connerie. Machin en garde-robe, on peut pas lui. Pour le mettre là-haut. Je pensais que ça allait changer en... ce que je pensais. Des adorateurs dans un cimetière. Cela ne me dit rien qui vaille. Si plus de gens choisissaient la crémation, nous n'aurions pas ce genre de problème. Ça va, où aller la garde-robe là? Peut-être la collection. Là, on fait des trucs à collectionner. Personne ne devrait vivre dans la peur.
Des adorateurs dans un cimetière. Cela ne me dit rien qui vaille. Un ménestrel fait toujours son devoir, peu importe ce qu'il en coûte. Je veux savoir où est la garde-robe en fait. Débloquer garde-robe, parce que moi j'aurais mis dans apparence. Bon. On verra plus tard. Prenez garde à vous lorsque vous marchez dans ce cimetière. Les morts vivants de Valindra et le culte du dragon ne constituent désormais plus une menace à Neverdeath. Nous tenons à vous en remercier. Il y a un revers à la médaille. Valindra nous a échappé avec le rite de la Dracoliche. Nous la reverrons très certainement, cependant. Même s'il lui faut du temps pour rassembler tous les composants. Neverdeath reste sous contrôle pour le moment. Je suis sûre que Nox sera pour le moins curieux de savoir ce qui s'est passé ici, aujourd'hui. Un clap de... L'enclave du protecteur a besoin de votre aide. Donc, Valindra s'est enfui avec un dragon et un objet appelé le rite du Dracoliche. Nous n'avons sûrement pas fini d'entendre parler d'elle. Mais vous avez réussi à repousser les plans taïens à Neverdeath. Cela signifie que beaucoup moins de morts vivants menaceront la ville. Bien joué. Les 5 clés du... Maintenant que les problèmes de Neverdeath sont réglés, il est grand temps pour vous de savourer le fruit de votre labeur. Je vous ai préparé quelques entretiens avec des membres de la guilde de l'aventurier qui vous aideront à encore mieux vous acclimater à la vie à Neverwinter. Tout d'abord, prenez ces coffres-forts en récompense pour vos efforts. Merci. Ah, attends. Indique. Ah, ici. Ah. Ok. Oui, ben, I. Clé. Si vous avez des questions, ouais, n'hésitez pas. Attends. Attends, on va relire parce que... Déverrouiller les coffres, je suis voyant.
Si vous avez monture et talons marbrés. De sublimation. Parler la vocation. Avez-vous besoin de mon aide? Vous voulez donc apprendre à invoquer le pouvoir des dieux? L'invocation est une puissante compétence que vous pouvez utiliser dans une zone de repos. Une zone de repos est un endroit sacré, rayonnant de l'influence des dieux, comme le sol autour de cet autel. Oui, bien. En ayant recours à des invocations, vous recevrez des cadeaux en récompense de votre dévotion. Maintenant, essayez pour recevoir la faveur des dieux. On va pas prier, non? Non, c'est pas ça. Utilisez votre compétence d'invocation. C'est réel. Gagne. On va terminer, mais pas reconnu. Pierre ardente. Bénédiction d'invocation. Utilisez bonne pour du pendant 15 prochaines. Là, qui s'est automatiquement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Imagine. Attends, oui. Texte. Ah, ça c'est dur. Aviez-vous besoin de quelque chose? Si vous avez besoin d'un compagnon, ou si vous avez des questions, vous vous trouvez au bon endroit, mon ami. Comment puis-je vous aider? Parlez-moi des compagnons. Mes compagnons se battent à vos côtés, vous guérissent et vous aident au cours de vos aventures. Ils se présentent avec différents niveaux de qualité que vous pouvez améliorer au fil du temps. Vous pouvez même
leur donner de l'équipement. Mais ce n'est pas tout. Chaque compagnon renforcera le bonus de cohorte des autres compagnons de sa catégorie, augmentant leur puissance. De quoi ? Les compagnons se battent à vos côtés, vous guérissent et vous aident au cours de vos aventures. Vous pouvez leur donner de l'équipement et améliorer leur... Excellent ! Nous vous avons réservé plusieurs compagnons au choix de la part du seigneur Neverember. Je serais ravi de vous donner plus d'informations à leur sujet. Alors, lequel de ces compagnons vous intéresse ? C'est un homme d'armes pour faire l'agro. J'hésite entre ça ou... Le chien est spécialisé dans les dégâts au corps à corps sur une cible unique. Leur morsure peut ralentir la vitesse de déplacement de la victime. Et lorsque le chien a l'avantage de combat, il est capable de renverser les ennemis. Comme pour tous les compagnons, vous devrez vous assurer que son équipement est adapté. L'homme d'armes aime se tenir en première ligne au combat, faisant usage de ses armes et armures pour affronter vos ennemis. Bien qu'il se concentre sur un ennemi à la fois, il dispose de compétences supplémentaires qui l'aident à charger dans la bataille et à améliorer sa capacité à dévier les attaques. Comme pour tous les compagnons, vous devrez vous assurer que son équipement est adapté. Collection agrandie. Attends. Quoi, changer sa gueule? Brise lame. Appeler Darko. Pourquoi je... Invoquer un compagnon. Bah non. Intelligent pas, lol. Il est victorieux. Ah d'accord, ok. Protecteur désireux. Mais inexpérimenté, prêt au défaut. Ah non, d'accord. Là, je retourne. Je suis un guerrier. Un guerrier intelligent part quand il est victorieux. C'est-à-dire que le loot. On sait lui mettre. Parler de l'équipe. Bien le bonjour. Que puis-je faire? Maintenant, d'anneau d'accueil. Notre pièce d'équipe. Alors, vous voulez en apprendre plus sur les sceaux. Très bien. Durant vos aventures, vous avez peut-être mis la main sur des sceaux, ou rencontré des marchands qui les acceptent. Si vous en avez suffisamment, les marchands vous vendront des marchandises spécifiques à la zone dans laquelle vous vous trouvez. Okay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tranquille. Avez-vous récemment obtenu des sceaux de l'aventurier ? Pas comme je... Oui, j'en avais des sceaux. L'enclave du protecteur a besoin de votre aide. Vous devrez parfois collaborer avec d'autres aventuriers pour surmonter les défis. Les donjons, escarmouches et épreuves sont plus périlleux, mais accordent de meilleures récompenses. Dans le but de réunir tous ceux qui sont à la recherche de tels défis,
les mages de la guilde de l'aventurier ont mis au point un moyen de former des groupes pour s'aventurer dans les sombres territoires de Ferun. Maintenant que vous en savez plus sur les coffres-forts, l'invocation, les sceaux, les compagnons et les files d'attente, il est temps pour vous de vous remettre en route. Attends. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ils sont où les trucs que je viens de... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les trucs que j'avais à l'heure de gagner là. C'est pas, c'était pas des machins comme ça là. Le truc qui m'a donné là, c'est allé où tout ça? Ah ben voilà, cherchez les deux qui sont là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est bizarre, je trouve. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le truc que j'ai looté, là, violet. Bizarre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors là, j'ai du mal à comprendre où c'est parti les machins violets que j'ai looté là. Là, on va aller voir là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les toutes collections, non ?
m'a donné du loot en récompense. Je les ai validés, mais parti. Alors là. Parce que c'est... Un membre des Forsworn de la tribu Loup-Gris demande de l'aide pour restaurer l'honneur de son peuple. Cela sera profitable à Neverwinter de gagner la reconnaissance de quelques barbares Utgard. Parlez à Talos Sawbreaker, au camp Forsworn près de Velosk, dans les bois de Neverwinter. Prenez garde toutefois, la zone est contrôlée par les Netheris. Leur guerre contre les Taïens pourrait signifier que Valindra est impliquée. Et j'ai eu vent de rumeurs disant que les Taïens mijotaient quelque chose là-bas. Ok. Alors moi je suis très bien par le... Je fais pas savoir où c'est en fait les trucs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord. Ah ben d'accord, c'était du compagnon. Ok. D'accord, d'accord, j'ai rien dit. Partout, c'était des trucs de compagnon. Je suis un guerrier honnête. Allons d'avoir visité la ville. Là, je vais aller jusqu'à là-bas. Un guerrier intelligent part quand il est victorieux. On va pas te parler à tout. Je fais le tour, je vais ramasser. Rien. Ah, les loups qui vont attaquer. Ah d'accord. Alors ? Êtes-vous venu nous aider à récupérer ?
Les temps sont durs pour mon peuple en raison des conflits sur ces terres. Certains sont trop fiers pour appeler à l'aide, mais j'ai confiance en vos capacités à apaiser nos souffrances. Parlez à la dresseuse de loups de notre tribu, et voyez ce que vous pouvez faire pour elle. Les loups gris qui suivent les Netheris ont commencé à vénérer des aspects de leur dieu noir sous les traits d'Utgar. Le chasseur noir n'est rien d'autre qu'un aspect de Char, la maîtresse de la nuit, qui chasse dans l'ombre et tue sans pitié. La vénération du chasseur noir est un affront à Utgard, le père de la bataille. Prenez la route au nord-ouest du camp Forsworn. Vous trouverez le bosquet maudit au bout du chemin du chasseur. Détruisez tous les totems de l'ombre que vous y trouverez. Quand les membres de la tribu loup-gris mettent la main sur l'un de nos frères de Forsworn, ils ne font preuve d'aucune pitié. Ils attachent leurs victimes à des pierres de sacrifice, puis les torturent jusqu'à la mort. Les cris des mourants servent d'avertissement à ceux qui s'opposeraient aux Netheris. Un de nos groupes de chasseurs a récemment péri de cette façon. Ses membres ne seront pas oubliés. Aux pierres de sacrifice, à l'ouest du camp Forsworn, vous trouverez leurs corps. Récupérez les colliers d'ancêtres sur les cadavres des frères Ragnar, Belrak et Devian. Rapportez-les ensuite au cairn des morts honoré au sud du camp Forsworn. Les Forsworn doivent restaurer l'honneur de notre peuple. Qu'est-ce que vous regardez ? Oui, je suis blessée. Je ne peux pas chasser et mes pauvres loups ont faim. Je les laisserai bien aller chasser eux-mêmes, mais j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. Vous voulez aider ? Eh bien, si vous rencontrez des loups-garous, vous verrez qu'ils transportent souvent de la nourriture, en général de la viande fraîche. Si vous pouviez en trouver suffisamment pour nourrir mes loups, je vous récompenserai comme je peux. Les Netheris doivent mourir.
Nous devons décimer les faibles. Coffre-fort. Ah, il faut une clé. Ah bah si, c'est... Ah ouais, quand même. Quand tu vois tous les coups, même si j'ai une clé. Ok, ça c'est... Nous devons décimer les faibles. Le repère de l'aube. Ah, c'est la pierre de divin. Pauvre Jodri, on te connaissait à peine.
Un autre coffre. Placer le collier près du cairn. Ouais, c'est à l'autre bout. Ah non, c'est aussi l'autre. Ah, par contre, c'est un peu plus. Les Netheris doivent mourir. Ah, attends. Normalement, c'est pas cette montre. Pas que j'ai. Un box. Toujours l'autre. Hein. Il y a toujours celle-là, en fait. Attends, et tu devrais... Ah, mais t'as l'écurie. Peut-être pas quand je suis en mission, je peux pas changer. Il y a certains endroits pour changer, attends. Toutes les montures présentes dans votre écurie peuvent... mis dans...
Bonjour, Oreo. 83. Je joue sur PC, Shadow PC, sur Steam. PC Shadow sur Steam. Mince, j'ai pas trop appuyé. Appuyer sur la bonne touche, bravo. Pas du tout ce que je voulais faire en fait. Appuyer sur machin, c'est ça que je voulais faire. Attends, ah non, c'est la touche. Ouais, plus ou moins, ouais. J'avais déjà testé un petit peu il y a quelques mois. J'essaie de lui mettre un peu pour voir si je vais plus loin ou pas en fait. Ok, normalement j'ai tout fait, placer les colliers près du cairn. Et toi, t'es un habitué du jeu, Oreo ? Vous honorez les morts. D'aventure, tu vas gagner des récompenses. Ah, je sais, là, je monte petit à petit. Que je peux combler les ce qui arrive quoi, j'attends le niveau 20 pour vraiment entre guillemets optimiser le truc. Battez-vous selon un ancien rituel de combat.
Fille, toutou et... Merci, étranger. Peu de gens se détourneraient de leur chemin pour aider quelques loups affamés. Je vous en remercie, et mes loups également. Et de rien. Auréo, serais-tu du Var ? À tout hasard. Ça fait 6 ans que je connais le jeu, mais des fois je joue, des fois non, ouais. Et t'as fait toutes les campagnes ? Non, c'est pas toi que je parle, c'est... Merci de foutre ton truc en plein milieu. Nos loups ne souffriront pas de la faim grâce à vous. Maintenant que les totems ont disparu, Côte la d'Azur. Corruption qui affecte les loups gris va peut-être se dissiper et ils pourront retrouver la voie d'Utgard. Moi, j'y suis né, dans le Var. Et j'y habite pas. Merci d'avoir rapporté ces colliers. Ils n'ont pas l'air de grand-chose, mais ce sont des objets sacrés pour notre peuple. Vous... Alors, attends. Les Netheris doivent payer pour la corruption de la tribu Lougris. Et alors, attends. Alors, par exemple, est-ce que ça... Est-ce qu'on peut cacher ? Non ? Peut-être en apparence ? Non ? Voilà, n'est pas affiché, je préfère. Je préfère qu'on voit la tête. Les voix du père de la bataille ont été perdues. Voilà. Ça c'est fait. Cavalère, je connais de nom. Je vous ai dit qu'un chaman avait prévu votre arrivée. Maintenant que vous avez prouvé votre force et votre honneur, il est temps d'aller le rencontrer. Prenez le chemin au nord du camp Forsworn après le chemin du chasseur. Là, vous trouverez le bassin sacré. Moi aussi, je suis Athéné à Saint-Tropez. Ah ouais, carrément. Sky, un chaman Forsworn. Alors, est-ce que je peux changer de cheval, là, de monture ? Je voudrais prendre celle-là, là. Comment j'ai fait ? Les esprits sont agités. Là, je peux pas. Je peux le faire peut-être qu'en ville. Je peux pas la changer. Je voulais prendre cette monture-là. Pas du tout. De monture. Forsworn doivent restaurer l'honneur de notre peuple. Attends, objet vous accorde 30 jours de VIP gratuit. On passe sur votre rang pour plus. Je sais pas si je le prends tout de suite le VIP. Pour monter en level, ouais. Peut-être. Comment tu le... Non, le... Ah, quel con, je vais pas être vendu. Quel con. Tu peux le prendre quand ça t'arrange, t'inquiète. On va le prendre maintenant.
Un panneau arcanique possible d'ouvrir la fenêtre de voyage. Bonus. Barre d'XP préparé à 1. 10%. Bah, atelier, ça je l'ai pas encore. Masque. Yen. Ouais. Ça a grandi, toi. Coffre de fin de donjon de haut niveau. Et donc avec la clé là, je peux ouvrir un... bon de provision de profession majeure. Ouais, d'accord. J'ai pas de profession pour ce bon au mimique de votre forteresse pour faire gagner de je peux le prendre comme ça. Ok, alors je suis à la recherche d'un poil crap. Je sais pas, moi j'aime bien me déplacer à pied en fait, la monture. Peut-être pour échapper au mob à la rigueur. On va aller jusqu'à où là? Ah oui, je crois qu'on avait déjà testé. Il y a une quête ici, là. Il n'y a pas une cape ou un truc dans le genre. Gagner. Puisse Utgard vous donner de la force. Les loups gris qui servent les Netheris doivent mourir. L'esprit de la tribu loup gris, dans la grotte des ombres dansantes, le loup perdu retrouve sa meute. Les esprits nous ont avertis de votre venue. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Il y avait plus de jeux qui faisaient la traduction orale, là, ça serait cool. Même si tout n'est pas traduit dans ce jeu-là, oralement, ça serait bien que d'autres jeux fassent pareil. Genre les jeux Rockstar. Il y a de très bonnes voix françaises. Les bandits cachés dans les ruines Xinkar à l'ouest n'ont aucun respect pour les traditions Utgard. Ils entrent dans nos lieux sacrés et prennent ce qui leur plaît. Ils doivent être punis pour leurs méfaits. Prenez le chemin au sud-ouest du bassin sacré et traversez le pont vers les ruines Xinkar. Tuez les bandits! Quand la tribu loup gris s'est rendue au Netheris, nous avons beaucoup perdu de nos traditions. Le culte d'Utgard a été remplacé par le culte de Char, la déesse noire des Netheris. Et les sanctuaires du père de la bataille ont été abandonnés et les reliques sacrées perdues. Les Forsworn essaient de retourner aux sources. Nous avions jadis une relique ici, au bassin sacré. Mais elle fut dérobée par les bandits qui vivent dans l'enclave Xinkar. Trouvez-la pour nous et revenez me voir. Ok, attends. Ah oui. Ouais. La deuxième, ce sera ici. Les gris qui servent les Netheris doivent mourir. Ça, c'est les passifs. Parce que c'est des passifs. Là, là. Ah,
Ça, c'est au rang 7. Nous devons décimer le fer. Tuer les bandits dans les ruines. Ah. Attirer plus les mobs, ça serait pas mal. Là, on voit la texture. Un trou. Il y a un trou. C'est encore un. Le mob a tué. Je sais pas où je vais. Pour l'instant, c'est ok. Rentrons dans ce... Ah, voilà. Je suis un guerrier honnête. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit.
ce jeu, autant en profiter hein, vu qu'il est gratuit. Bravo. On va pas l'envoyer, ça serait bien. Alindra sera contente que nous ayons trouvé quelque chose. Bravo.
casse les trois trucs. Pas une araignée là. Un boss orange de coup. Je peux plus. Pas de... Un guerrier intelligent part quand il est victorieux. Je veux dire, ne force pas ta chance. Je suis un guerrier honnête. Non, la quête est dans le... dans l'eau. D'accord, c'est écouter les histoires. Merci pour ton... L'esprit de la tribu Loug, merci d'avoir tué ces bandits. Pas de soucis. Ils y repenseront à deux fois,
avant de revenir profaner nos lieux de culte. C'est clair. Mais le fait que vous ayez trouvé des magiciens rouges dans les profondeurs des ruines m'inquiète. Il y avait des magiciens rouges dans les profondeurs des ruines. Cette guerre entre les Taïens et les Shadarkai profane nos terres sacrées. Merci d'avoir mis un terme à leurs agissements ici. Peut-être qu'avec l'aide de cette relique sacrée, nous pourrons commencer à guérir la tribu Lougri. Ok. Nous devons décimer les faibles. Si tu le dis. Ça. À vendre. Et donc là, hop, je vais mettre ça. D'accord. J'ai envie de mettre en 10 en sagesse. Et le reste en. Les Netheris doivent mourir. Les Netheris doivent mourir. Faire une petite pause et à tous.
The day is done, the time has come. You battled hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest. See the fire in your eyes. See the fire.
Ok, on est maintenant parti. Que le bassin sacré vous accorde le repos. Ok. Ok, donc, quête suivante. Deux quêtes suivantes. Le plus grand des chamans de la tribu Lougris est un puissant tempestrier, nommé Hurle-Tonnerre. Les Nétéris ont corrompu son cœur, et nous ne pouvons plus le sauver. Suivez le chemin à l'est du bassin sacré, et montez sur la crête du tonnerre. Entrez ensuite dans les grottes tempestrières mystiques près de la cime, et tuez Hurle-Tonnerre. Encore tuer. Les tempestriers de la tribu Lougris ont appris le secret de la tempête auprès d'Ulgar, le père de la bataille. Ils ont désormais renoncé à son culte, mais continuent à utiliser sa magie. Ils doivent être punis. Tuez les tempestriers sur la crête du tonnerre, et prenez les sceptres qu'ils utilisent pour canaliser leur magie élémentaire. Vous n'avez pas la bénédiction d'Ulgar. Vous devez d'abord parler aux magiciens de notre camp. Puisse Utgard vous donner de la force. Si au niveau graphique, on peut pas enlever l'étirement de l'image sur les côtés. Les loups gris qui servent les Nétéris doivent mourir. C'est pas ça qui change quelque chose. Je sais pas si vous donnez de la force. Pour survivre, il faut se battre. T'as affiché les objets avec des détails de vie. Je vois la différence. Que le bassin sacré vous accorde le repos. Non, je sais pas si on peut changer l'étirement des images sur les côtés là. C'était bien. Pas censé voir quelqu'un. Hein. Ah, c'est là. Ça fait plaisir de voir quelqu'un d'autre venant de la ville. Je me sens bien seul au milieu des loups ici. White Sky m'a dit de vous aider. Les tempestriers de la crête du tonnerre utilisent leur totem pour amplifier le contrôle qu'ils ont sur l'orage et la foudre. Prenez cet orbe et placez-le sur la crête du tonnerre, hors de vue, afin qu'il absorbe les énergies de l'orage et vous permette de récupérer les sceptres. Ah, c'est pas tout à fait à côté. Un guerrier intelligent part quand il est victorieux.
Ah, j'ai oublié de racheter des trucs pour l'exploration. Ça va au niveau j'ai plus vraiment besoin de soins pour l'instant.
Grand donjon. Hurle tonnerre. Je suis un guerrier honnête. Ok, retournez. Ah mince, il y a quelqu'un qui est intervenu. Récupérer les sceptres 2 sur 5.
un signe lunaire de courage. Bravo. OK. L'esprit de la tribu Loup-Gris tombera. Hurle-Tonnerre était l'un des grands chefs de la tribu Loup-Gris. Une fois réduit au silence, peut-être que le reste de la tribu pourra être convaincu de se retourner contre les Netheris. Merci de les avoir retrouvés. Ceci n'arrêtera pas les Tempestriers de suite, mais ils s'en trouveront considérablement affaiblis. Peut-être que les Force Worn laveront un jour leur honneur aux yeux d'Utgard, et qu'ils pourront à nouveau utiliser la magie de la tempête. Ah, peut-être. Que le bassin sacré vous accorde le repos. Que le bassin sacré vous accorde le repos. Un placement, un signe. Nous devons décimer les faibles.
Putain, ça met où ça, attends. Vous accorde des bonus lorsque vous êtes équipé sur la monture. Sur la monture. Doivent mourir. Il faut toujours aller de l'avant. Que le bassin sacré vous accorde le repos. Donc apparemment ces trucs là, ça va pas sur ces chevaux là. Ou ces montures. Ok. Ok, ça c'est bon. Ah non, j'en ai déjà 11. Ok. Eh ben, je vais en rester là pour ce live. Sur ce, je remercie les personnes qui sont passées en direct ou en replay. N'hésitez pas à follow et je vous donne rendez-vous à un prochain live qui sera normalement demain soir. Au revoir. Nous devons décimer les faibles. That's the way.